on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Sekiro Shadows Die Twice. Et on va continuer après la petite session de week-end qu'on a eue. Voilà, j'ai pas fait de stream supplémentaire histoire de calmer un peu ma frustration. Voilà, histoire de souffler un peu. Histoire de bien également se remettre, voilà, également, voilà, des émotions qu'on a eues, de la frustration qu'on peut avoir. Là, on est reparti, donc, pour Sekiro Shadows Die Twice. Et alors, juste avant, je vais envie d'acheter quelques trucs. Alors, acheter des emblèmes spirituels. Voilà. Alors. Juste avant, je vais aller regarder. Je vais regarder au niveau de la prothèse. Ah oui, voilà. Voilà, on a la prothèse de flamme. Mini lance-flamme équipée. Du coup, ben. Ok. Ah ouais. Ah oui, ça fonctionne comme ça. D'accord, va falloir en acheter en effet des emblèmes. Bon, je vais en reprendre du coup. On peut se le permettre, voilà. Objet rapide. Bon, allez, on est reparti. Du coup, on va aller au domaine. Voilà, chemin du domaine. Voilà. Quand c'était arrêté là. Voilà. Il fallait qu'on passe, qu'on franchisse cette étape, du coup. Donc, alors, balayage. Donc, pour la petite info, pour ceux qui n'ont pas vu ma deuxième partie du Let's Play sur Sekiro, je vous invite à aller le retrouver sur ma chaîne YouTube. Elle a été mise en ligne il y a quelques temps. Donc, Donc pour la petite info, on avait affronté une espèce d'ogre géant, voilà. Qui nous avait bien donné du fil à retordre, mais qu'on n'a pas réussi à battre. Ok. Ah putain! Ok, ça va, on s'en sort. Ça va, on s'en sort bien. Thank you.
On s'en sort plutôt bien, on est concentré, focus. Alors, ça les attire pas? Je suis concentré, hein. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais je suis focus là. Cette passage, je l'ai fait tellement de fois, et ça me frustre.
Ça va être dur. Ah si, j'ai des boulettes. Alors on va se régénérer un peu. Mais punaise, qu'est-ce que ça va être dur. J'ai pas envie de me retrouver face à lui. Ici, il y avait quoi déjà? Ah oui, il y avait le fameux bonhomme là qui est un peu mystérieux. Mais on sait pas trop ce qu'il veut. Ça les attire pas du tout, hein, les éclats de porcelaine, c'est vraiment de la merde. J'essaie de conserver des shurikens, enfin des charges pour. Ah zut. Ah, j'ai l'aide divine. Que je remets un peu les compétences que j'ai acquises. Un taille à D. L1 plus R, un taille dans le tourbillon. Une en faisant tourner. Je me remémore un peu mes compétences.
Si on peut éviter le combat contre eux, franchement, je vais le faire. C'est bon.
On va y arriver, hein, on va y arriver, je vous rassure, mes amis. Rendors-toi, ce n'était qu'un mauvais rêve. Non, je suis pas spotted, je suis pas vu.
se planque. On se planque. Oh putain, non, me dis pas que c'est un box. Contrer les estocs. Les estocs peuvent être bloqués, mais ils peuvent être déviés. Contre Mikiri peut également contrer les... Vas-y, mais je dois me farcir ça en plus! Je dois me farcir un mini-boss, quoi! Oh, mais vas-y, mais punaise! Non mais putain, mais je suis tellement nul. Après ils disent qu'il y a une aide divine, mais punaise, franchement je la vois pas l'aide divine, hein, je la ressens pas. Vas-y, il faut que je monte tout là-haut, mais putain, mais vas-y, mais... Thank you.
pas un temps, il y a pas un sanctuaire. Y a pas un sanctuaire, franchement, pour que je puisse me reposer, un temple du sculpteur là. Parce que franchement, c'est surtout avant le boss, avant un mini boss, quoi. Voilà, enfin, t'es censé au moins mettre un truc pour te reposer, quoi. Là, il y a un truc derrière en plus, là j'ai l'impression. Concentré là. Ah, des boulettes.
Voilà, au moins l'autre là, je peux l'affronter tranquille. Sentiment de soulagement. Ah, oh. Oh, c'est bon. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Vite, là, l'idole, l'idole. Oh putain. Oui. Salut Marie-Joseph, putain. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Allez, next. Next étape, putain. Putain. Va y garder son cul. Non, non. Ah, ça va, je peux. Bah là, là non plus je peux pas remonter, mais c'est quoi ça? C'est par l'eau, vas-y, ça pousse. Ah, le passage secret. Ah, trop bien. Alors, sonne bien. Ah punaise. Oh oh, je suis Prince of Persia. Putain. Thank you.
ce mec? C'est quoi cette zone secrète là? Oh punaise, et d'accord, y aller. Ah ouais, j'avais déjà vu ça dans une vidéo. Mais waouh! Je sens que je suis pas prêt pour ce boss, je crois. On va pas trop se le faire pour l'instant. Je préfère encore les ennemis de base. Alors bonjour monsieur, vous allez jusque votre zone d'investigation s'arrête jusque là et vous avez un pote avec vous, d'accord. Je vais d'abord me débarrasser. Non, tu as pas fait ton pote parce que tu meurs. Chiné. Comment ça, je suis spoté? Oh! Ok, d'accord, il y a un archer. J'aurais dû utiliser mon lance-flamme, ça aurait été beaucoup plus efficace. Par contre, les mecs avec bouclier, je sais pas du tout comment j'ai...
des ennemis que je passe parce que j'ai pas vraiment envie de perdre mon temps face à eux en fait. Alors par contre, on va prendre ça. Messieurs les boucliers, mais je me casse parce que j'en ai marre de vous. Waouh! Oh, la demeure qui est complètement enflammée. Caché dans le domaine donné par la chouette. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Hirata. Ça veut dire qu'il va falloir... Oh non. Regardez-moi ça comme ça. Les effets de flammes par contre sont magnifiques. C'est vachement bien foutu. Il n'y a pas à dire.
Le voilà, le fameux temple. Ok. Bon moyen que je monte. Ah non, c'est pas celui-ci. Ça trouver donc cette fameuse entrée. Ah, je reviens à le charmer. Ok, je suis revenu là. On va se reposer. Ouf. Le temple, en fait, c'est l'endroit où je suis passé tout à l'heure, en fait, voilà, que j'avais découvert. Donc il faut que je remonte par là. Ah, je pense que c'est ça, en fait. Wow, il y a un gros. Mais vas-y, mais il y a un gros poisson, puisque là, je l'avais pas vu. C'est quoi ce truc? Oh la carpe! Là c'est même pas une carpe.
Attends, non, me dis pas qu'il y a le... Oh non, me dis pas qu'il y a l'autre. Monsieur l'archer, non mais putain mais... Pourquoi mon perso il s'accroche pas? C'est quoi qui m'a attaqué? Je suis fait bouffer par un poisson ou quoi? Je pète un câble là, ça commence déjà à me saouler. Putain, j'avance pas dans ce jeu. Entre mon perso qui fait des acrobaties et je lui demande d'aller à des endroits, il veut pas. Je m'excuse de m'énerver, hein, mais... Yeah.
Respire. Oui. Ça, c'est bon. Non, putain, bordel, putain de bordel de saloperie de merde. Putain, je voulais me coller au mur et passer. Oh mais c'est pas vrai ça, mais punaise. Il n'y a pas moyen de remonter hein, en plus. Oh la vache quoi, mais punaise. Non, ce qui est si drôle, franchement, c'est qu'il y a des endroits où il y a des arbres où on peut s'accrocher. Mais par contre, pour y accéder, bonjour la galère, quoi. Non, tu préviens pas tes potes, toi. Chinet. What? Mais putain de bordel de saloperie! Dégage! Tu m'as saoulé, toi!
Putain, mais vas-y, ce passage des archers, c'est juste l'enfer, quoi. On se concentre. Non ! Putain ! Moyen que je veux. Il n'y a pas moyen de remonter, mais qu'est-ce que ça m'énerve, ça ! Merci. Alors là, franchement, je salue pas les développeurs. Franchement, là, c'est... Franchement, même dans n'importe quel jeu que... Oh, punaise. Non, franchement, quand je pense à tous ceux avec qui j'ai dit ouais, en fait, j'ai annoncé mon challenge, voilà, et là les gens qui vont regarder cet épisode, ils doivent se dire mais putain, en fait, il est incorrigible, Zadekiel, il est incorrigible, il rage sans n'importe quoi, il rage sans tout. On va peut-être aller retourner au temple. Du côté du temple.
voir ce qu'il en est. よく参られました。 白いあざは生まれつきではない。 ならば 流飲を受けた者に現れるということか。 あるいは では また。 お前さん、何か用か。あらら。では、また久しくらいならかしてやろう。すみません。 Ici. C'est quoi? Ok, d'accord. Il y a un truc. Alors là, il doit y avoir un truc. Un passage, une espèce de passage ici. Tu vois, c'est bizarre. Karma Shinobi, en voulant le maximum d'emblèmes spirituels qu'on peut détenir. Ok. Rang de la vie. Ah, ça c'est bien ça. Lors d'un coup mortel réussi. Coup mortel permet. Ah, c'est pas mal ça, faudrait que j'acquière. Putain, si je pouvais récupérer de la vie à chaque fois que je fais une exécution ou un coup mortel, ça c'est vraiment cool. C'est pas mal. Bah écoutez les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session en tout cas. On a légèrement avancé. C'est juste qu'il faut que j'arrive à me concentrer, à me focus sur les objectifs et ne pas stresser. Enfin voilà, mais là. Je vous préviendrai quand je ferai une nouvelle session live, bien sûr, voilà, toujours sur Sekiro's Shadow Die Twice, et bien sûr sur d'autres jeux, hein, bien sûr, voilà, il n'y aura pas que ça dans la semaine. Donc, bien les gens, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette session. Ça fait à peu près une heure et demie, voilà, qu'on est en.
je suis avec vous. En tout cas, moi, je suis assez content. Enfin, plus ou moins content de mes performances. On a réussi, on a réussi à passer l'étape, la première partie du, enfin, du domaine, en tout cas, voilà, jusqu'au checkpoint. Voilà, enfin, c'était idole. D'ailleurs, on s'est plutôt pas mal débrouillé face au mini-boss, voilà. Donc, ce qui est plutôt cool. Bref, on va s'arrêter là. Alors, par contre, il y a des trucs là, ferait que je vois. Poudre pare-feu, un remède pour soigner les brûlures. Ah! Soigner ta brûlure. Oui, en priant tous ceux qui sont bêtes. Lancez-le pour attirer l'attention de l'ennemi. Que dalle, ouais, vas-y. Que dalle. Ok, j'ai toujours l'idole. J'ai toujours la petite moitié de bourse là. L'huile aussi, il faudrait que j'apprenne à l'utiliser. Ça faut que je le mette, ça, par contre ça, la porcelaine ça me sert pas du coup. Alors les bonbons par contre là je sais pas, faut que je trouve encore statuette recouverte. L'huile aussi. Ça c'est bon. Bon, voilà. Bon, on va s'arrêter là, les gens, en tout cas. On est à une heure et demie de live, voilà, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à partager bien, sur mes réseaux sociaux, voilà, venir me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, voilà. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à aller checker, bien sûr, voilà, si vous avez depuis le début de l'aventure, bah, la première vidéo dont le lien sera... sera dans la description, sera s'afficher justement, voilà. Et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!